Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à ma vidéo de la semaine dernière où je vous montrais mes produits soins que j'emporte dans mon vanity pour mes vacances. Aujourd'hui on va faire exactement la même chose avec mes produits maquillage. Je laisse totalement tomber la base, je la laisse clairement dans mes placards et j'amène directement un fond de teint. Alors là en l'occurrence cette année ça sera le Shake Up Skin Tint de la collection BAE de chez Emma, tout simplement parce que vous voyez le packaging est quand même assez petit donc c'est vraiment super pratique et aussi parce que c'est un fond de teint qui est quand même assez fluide, donc ça veut dire très rapide à appliquer. Avec un pinceau en 2-3 minutes c'est fait et c'est un fond de teint qui est avec une couvrance assez moyenne on va dire et c'est clairement ce que je recherche. Donc voilà, ça c'est clairement le produit idéal pour pouvoir faire mon teint assez rapidement mais de manière efficace, et de temps en temps quand j'ai envie ou que j'en ressens vraiment le besoin je le couple avec un anti-cerne, mais ça c'est vraiment une étape que en général je skip assez facilement. Là c'est aussi de la gamme BAE et c'est le No More Spot Concealer. C'est clairement mon anti-cerne préféré que j'utilise de manière quotidienne depuis plusieurs mois déjà, et je trouve que le packaging est quand même assez pratique aussi puisqu'il est assez petit et il est vraiment très chouette. Et si j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de couvrance au niveau du teint je sais que je peux toujours rajouter un petit peu d'anti-cerne, ça va camoufler un petit peu plus mes imperfections. Ça c'est clairement mon combo pour avoir un teint idéal pendant les vacances. Pour essayer de garder un teint mat le plus longtemps possible au cours de la journée, j'utilise cette poudre de chez MAC. Donc c'est la Mineralize Skin Finish en teinte light plus si jamais ça vous intéresse. C'est clairement un indispensable pour moi pendant l'été puisque non seulement elle va essayer de garder la matité le plus longtemps possible sur moi, en tout cas elle fonctionne très bien, mais aussi elle apporte une légère couvrance et c'est vrai que couplé au fond de teint qui est couvrance assez moyenne ça parfait un petit peu le teint. Et si j'ai pas envie de mettre du fond de teint juste avant en fait je peux quand même camoufler un petit peu et unifier mon teint avec cette poudre, donc elle est vraiment très chouette. Je l'utilise aussi depuis des années et clairement c'est vraiment un indispensable pour moi pendant l'été. Et mon meilleur ami que j'utilise tout au long de la journée encore une fois pour avoir un teint le plus mat possible, ce sont des feuilles matifiantes de chez Essence de la gamme All About Mate. C'est compliqué à dire, mais voilà, ça c'est ce que je glisse dans mon sac à main et que j'utilise un petit peu en abondance tout au long de la journée pour éviter d'avoir trop de brillance au niveau du visage. Pour ce qui est de la finition du teint, c'est très simple. Un petit peu de blush, un petit peu d'enlumineur et de brume fixatrice et c'est tout. Là cette année au niveau du blush, j'ai un objet qui est assez... bizarre et particulier, je vous avais fait déjà une vidéo sur le sujet. Ce sont des feuilles où il y a du blush en fait dessus de la marque May Couture en teinte Silici et en fait à l'intérieur vous avez des feuilles un petit peu rosées comme ça, vous l'appliquez directement sur votre visage, ça vous dépose le blush, vous jetez la feuille et après ben voilà, ça tient toute la journée. C'est vraiment hyper pratique et en plus ben, comme vous le voyez ça prend vraiment pas de place, donc ça je pense que cette année ça va vraiment m'être très utile. Au niveau de l'enlumineur, j'ai celui-ci, c'est il est à moitié effacé, c'est le enlumineur cuit Iglow Mineral, je pense que c'est ça. Comme c'est effacé, j'ai pas la référence derrière, mais je trouve qu'il est vraiment très joli. C'est celui que je porte là aujourd'hui et je trouve qu'il fait un effet sans être trop visible. Donc voilà, il est vraiment très chouette et c'est pareil, le packaging est assez compact donc très pratique pour la valise. Et au niveau de ma brume fixatrice, je mise vraiment sur une valeur sûre, donc ça sera la Fix Plus de chez MAC. Alors moi je l'ai en édition limitée, c'est la Cherry Bloom Zoom, je crois que c'était l'année dernière, il me semble qu'elle est sortie, printemps de l'année dernière, et vous voyez malgré le fait de l'utiliser je trouve que elle descend vraiment pas beaucoup malgré le fait que ça fait quand même un petit moment que je l'ai, mais voilà, c'est la valeur sûre donc celle-ci elle est toujours dans mes valises quel que soit le déplacement. On continue avec les yeux et plus particulièrement les sourcils, donc j'amène une poudre à sourcils, c'est la Eyebrow Kit de chez Emma que j'ai eu il y a un petit moment déjà tellement bien que le packaging est cassé et vous voyez que j'ai quand même bien touché le fond du produit. Je trouve que c'est l'idéal, je préfère amener ça plutôt que le crayon que j'ai de chez Benefit, parce que j'ai pas forcément envie de redessiner hyper bien mes sourcils et voilà, ça me permet de les définir mais sans trop y passer de temps. Et après forcément je prends un mascara pour fixer tout ça. Donc là en l'occurrence, s'il veut bien rester avec moi, c'est le mascara de chez Primark. Vous voyez c'est pareil, c'est un format qui est quand même assez compact et franchement je trouve qu'il fait très bien son travail. Donc voilà, il se glisse avec moi dans la trousse de voyage. Ensuite pour les yeux, j'ai forcément une base à paupières. Voilà, quand je me maquille les yeux j'aime bien que ça reste en place, surtout avec la chaleur. Voilà, j'en prends toujours une. Donc là moi c'est celle-ci, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. C'est pas celle que je préfère le plus, hein, clairement c'est pas celle que j'utilise le plus. Je l'avais même eu dans des coffrets d'édition de Noël en général. Je les garde parce que ben, c'est super pratique. Leur format est vraiment très bien et prennent pas énormément de place. Donc voilà, ça me permet aussi en même temps d'utiliser le produit et de le passer comme ça. Et au niveau des cils, je prends forcément un mascara waterproof. Et là, ça sera le Better Than Sex de chez Too Faced. Tout simplement parce que le packaging est aussi compact et que c'est vraiment super pratique. Ça prend pas de place et au moins avec le waterproof je sais que ça ne bouge pas de la journée. Et pour finir avec les yeux, j'ai des palettes. Alors là je vais vous en présenter deux parce que clairement je ne sais pas encore avec laquelle je vais partir. Donc la première c'est une de chez Sleek, c'est la All Night Long. Si je vous l'ouvre pas vous n'allez pas vous rendre compte, mais voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Encore une fois je suis désolée, je vous ai montré mes mains pas très jolies, mais voilà elle est vraiment très chouette. Elle a que deux fards mat et ça c'est vraiment très bien aussi parce que ben moi voilà je mets juste un petit peu au creux de paupière et après tous les autres sont irisés, donc ça me permet ben, de changer de maquillage tous les jours sans forcément avoir à mener plein de palettes. Elle est vraiment super pratique et le grand miroir ben, est vraiment très chouette aussi parce que c'est vrai que en déplacement on n'a pas des miroirs comme on peut avoir ben, sur la coiffeuse par exemple, donc c'est quand même super pratique d'avoir un grand miroir. Et la deuxième palette c'est celle-ci, c'est la Gwen Stefani qui avait été faite avec Urban Decay. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Là c'est pareil, c'est pas la palette la plus pigmentée de ma collection, mais elle a un beau panel de couleurs. Je trouve que pour l'été c'est tout à fait ce qu'il faut. Il y a quelques mats pour faire le creux de paupière et tous les autres fards sont irisés. Donc c'est vraiment très chouette pour changer de maquillage tous les jours mais ne pas avoir 36 000 produits. Et encore une fois le miroir est super grand, le format est assez compact. Je trouve que ce sont deux produits hyper pratiques. Pour ce qui est des lèvres, je ne m'embarrasse pas non plus de 36 000 produits. Là cette année je vais amener cette petite pilule on va dire, c'est un Flower Balm de la marque Winky Luxe. C'est, vous savez, les baumes à lèvres teintées qui ont la particularité d'avoir une fleur à l'intérieur. Donc moi pour le coup c'est une couleur rosé rouge on va dire. Donc c'est très chouette pour allier le soin et l'esthétique. Donc voilà, je pense que ça je vais en abuser, surtout avec un maquillage des yeux qui est quand même assez neutre. Ça peut donner une petite touche de couleur. Comme vous avez pu le voir, j'apporte pas 36 000 produits. C'est vraiment les produits qui me servent de manière assez basique pour faire un maquillage assez simple et rapide. Ça m'arrive de ne pas les utiliser tous en même temps. C'est vrai que des fois je maquille juste mon teint ou juste mes yeux, juste mes lèvres. Enfin voilà, ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment les produits de base qui font que j'aime bien me pomponner pendant mes vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir parce que ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances si jamais vous êtes sur le point de partir, et bon courage pour ceux qui restent à la maison. Je vous dis à très vite, gros bisous, ciao.